Même si les statistiques relatives aux investissements de la diaspora tchadienne ne sont guère disponibles, il n'en demeure pas moins qu'un bon nombre de Tchadiens de la diaspora supportent financièrement leur famille et apportent un plus-value à leur pays. Longtemps oubliée, la place de la diaspora tchadienne est inscrite en lettres d'or dans les annales de la 4e République. Si on va les autres pays, on le souhaite pour notre pays, c'est que les gens ont travaillé. Et nous, on n'a pas le choix que de travailler. Il n'y a pas de secret. On peut tout changer en travaillant. Donc on va retourner, bien que parfois il y a d'autres qui disent que la situation est difficile, mais c'est changeable. C'est par le travail. Le Tchad va être construit que par nous-mêmes. Et le salut du Tchad ne viendra que des Tchadiens. Elle constitue un levier essentiel pour le développement, comme cela s'observe dans la plupart des pays les moins avancés, dont le progrès a été significatif ces dernières années. Son potentiel considérable en termes de savoir-faire et savoir-être n'est pas suffisamment mis en valeur pour stimuler et entretenir le développement du Tchad. On n'a pas choisi d'être Tchadien. Et on n'a pas, c'est-à-dire une autre pièce, on n'a pas un remplaçant pour le Tchad. C'est ce que nous, on a. Mais maintenant, si on veut faire du Tchad un pays émergent, un pays développé comme les autres pays, on doit se mettre au travail. Ceux qui veulent rentrer, qu'ils rentrent. Ceux qui ne veulent pas rentrer, ils veulent rester, mais au moins qu'ils contribuent d'une façon indirecte au développement de la République, en investissant par exemple ici. Cette absence de prise en compte et de mise en valeur de ce potentiel se reflète entre autres lors des visites des plus hautes autorités de l'État, en l'occurrence le chef de l'État dans un autre pays. Lors de ces visites, il est courant que le président de la République, Idriss Déby Itno, rencontre la communauté tchadienne de l'étranger. La diaspora tchadienne peut aider à promouvoir l'intégrité, le respect des règles et des normes, le sens du travail et le goût de l'effort, bref, l'excellence. Aujourd'hui, plus qu'hier, le Tchad et sa diplomatie devraient s'appuyer véritablement sur sa diaspora. L'icône de l'athlétisme tchadien, Kaltouma Nadjina, reste un bel exemple de la réussite. Médaillé d'or sur les 400 mètres, Kaltouma a réussi à faire parler positivement de son pays. Je suis une sportive de très longtemps et ce que j'ai contribué au pays, c'est le fait de ramener les médailles et de courir pour le nom de mon pays. Je pouvais bien courir pour le nom de notre pays, mais j'ai choisi de courir pour le Tchad. Je suis tchadienne et je demeure tchadienne. Avant, on ne reconnaissait pas la diaspora officiellement. Mais aujourd'hui, grâce à la 4e République, ils ont été reçus par le président de la République. Il les a écoutés, ils avaient pris de temps, ils ont pris des notes, ils ont dit leurs difficultés, ce qu'ils en ont besoin, ce qu'ils peuvent faire pour le pays. Et ça, pour moi, c'est vraiment un grand acquis. Au-delà de ce changement de mentalité, la volonté politique et sociale est vitale, car cette transformation passera par celle de chaque Tchadien en général et de nos décideurs politiques en particulier. La 4e République consacre un volet important à la responsabilité de la diaspora dans le processus du développement. En étant à l'extérieur, c'est vrai qu'on voit les gens qui sont ici, qui se disent qu'ils travaillent, mais on ne les paye pas. Bon. En étant à l'extérieur, tu ne peux pas savoir, il faut rentrer au pays. Il faut d'abord essayer, il faut travailler. Je sais que ici, si tu travailles, tu fais ce que tu fais, tu seras récompensé à la fin. Pour réussir, il y a des sacrifices qu'il doit faire, il y a le travail. Il faut travailler et il faut toujours persévérer. Comme le défunt Talino nous a dit, la persévérance, il faut toujours persévérer. Il ne faut pas rester et puis dire que il ne faut pas tendre la main. Il faut travailler afin de recevoir. Puisqu'elle est impliquée déjà de manière responsable à la gestion de son pays, la diaspora tchadienne doit saisir cette opportunité pour mettre son capital compétence au service de son pays. L'État tchadien doit accompagner cette politique avec des actes concrets. Les mécanismes organisationnels et institutionnels doivent être mis en place pour rationaliser le retour de la diaspora.